La chancelière allemande, Dr. Angela Merkel, était en visite sur le chantier de construction du centre de l'ONG SOS Femmes Enfants Victimes de Violences Familiales, dénommé la Maison de l'Espoir, un chantier fruit du prix international décerné par le gouvernement finlandais et remis à l'ONG SOS FEV par la chancelière allemande pour son engagement sans relâche dans la lutte contre les violences basées sur le genre, sur toutes ses formes et la promotion de l'égalité du genre. Nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr. Angela Merkel, qui a toujours œuvré pour la défense des droits humains de par le monde et qui défend aussi la cause des femmes et des enfants, qui œuvre aux côtés des survivantes de violences basées sur le genre. Et sa visite reste gravée dans l'histoire du Niger. Au mois de mars 2017, le prix international sur l'égalité de genre, initié par le gouvernement finlandais, lui avait décerné le prix lauréat, qui est d'un montant de 150 000 euros. Et c'est avec ce prix-là que nous sommes en train de construire la maison que nous avons d'ores et déjà baptisée Maison de l'Espoir. La Maison de l'Espoir verra sa plus grande salle baptisée au nom de la chancelière, salle Angela Merkel, une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger. Ça servira de lieu de projection de films éducatifs pour que vraiment les survivantes aient confiance en notre équipe. Nous voulons les sortir de la situation de violence dans laquelle elles vivent. Donc, à l'avenir, ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il y aura même un petit atelier d'apprentissage aux survivantes. Ce chantier est la concrétisation d'un grand rêve nourri depuis longtemps par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales afin de soutenir et accompagner les femmes survivantes de violences basées sur le genre et les accompagner dans la reconstruction de leur vie. Cheval de bataille de l'ONG SOS FEV depuis sa création.